fabuleux Super Mario Bros. Reconnais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Nous nous sommes retrouvés au pays des gentes dames et des beaux chevaliers en armure. Le légendaire Cramalot. J'espère que Messire le magicien va pouvoir nous aider à libérer mon peuple des mains du diabolique roi Koopa. Mais on ne sait même pas si ce personnage existe ou pas. Ce bourdonnement, il existe vraiment? Ah, ce sont certainement des abeilles. Et là où il y a des abeilles, il y a des raviolis gonflés de miel. Ce ne sont pas des abeilles, ce sont des bandits bourdonnants. Bourdonnons à l'attaque. Prenez ça, bourdonnant bedolant. Attention, ils reviennent par ici. Bourdonnant, il se fait essayer. Abracadabra, abracadabri. Avec de tels pouvoirs, vous ne pouvez être que Mervin le magicien. Pour vous servir, princesse. Vous allez apprécier ma caverne magique et ma superbe boule de cristal. C'est le roi Koopa qui vous a envoyé les bourdonnants. C'est Koopalot. C'est Kapalot de Cramalot. Non, c'est pas... tout ça, c'est de la camelote, quoi, y a pas à dire. Qu'est-ce que l'infâme Koopa fait par ici? Je vais vous montrer, espérons que tout fonctionne parfaitement. À la mort du vieux roi, Koopa s'est installé dans le château et il s'est couronné lui-même. Et maintenant, je peux régner en maître absolu sur mes sujets de Cramalot. Oh, ce Koopa commence sérieusement à me friser les moustaches. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se défendre? Oui, je vais d'abord regarder dans mon grimoire. Seul un être spécial peut renverser Koopa de son trône. Mais d'abord, il doit réussir une épreuve que personne n'a encore passée. Celui qui doit libérer notre pays doit d'abord tirer sur le bouchon d'or de l'évier sacré de Cramalot. C'est une plaisanterie! Il est en or pur! Il faut avouer qu'à Cramalot, nous ne regardons pas à la dépense. Celui qui arrivera à le déboucher sera couronné roi du pays et deviendra suffisamment puissant pour chasser Koopa. Ah, pas de problème, mon vieux magicien, tout est réglé. Je débouche des éviers depuis que je suis en âge de manger des tortellini. Attention, reculez! L'évier que je ne pourrais pas déboucher n'a pas encore été fabriqué. Et voilà! Bon travail! Vous êtes un héros! Dépoussiérez la couronne et faites venir le peuple! Cramalot a un nouveau roi! Mario se prend pour le roi de Cramalot. Ce petit impudent mérite une bonne leçon. Il en a un toupé. Il n'existe qu'un seul et unique roi de Cramalot. Et qui est-ce? Oh, où c'est qu'il est, votre horreur? Il est assis ici même, sur ce trône. À mon avis, il faut que vous fassiez quelque chose. Exécute mes ordres. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Bien sûr, votre Altesse. Vous êtes le plus grand roi que Cramalot ait connu et admiré. Il est temps d'apprendre à ce plombier mangeur de pâtes que Koopa n'accepte pas d'être insulté. Sonnez l'attaque des troupes koopasiennes. Avouez que c'est fantastique, n'est-ce pas? Nous allons vous couronner roi de Cramalot. Non, avant de me couronner, on pourrait manger un morceau pour fêter ça. Je serais partisan d'une petite glace à la mozzarella. Ne faites pas la fête trop tôt, vous allez connaître la déception de votre vie. C'est le roi Koopa et son armée de Koopasiens.
Oh non, on est pris au piège. Ah, je vais nous sauver. Je ne ferai pas ça si la princesse beauté représente quelque chose pour vous. Donnez-moi ça tout de suite. Quand j'en aurai fini avec vous, mangeurs de lasagne, vous regretterez d'avoir mis les pieds dans ce royaume. Je crois qu'on ne pourra plus jamais revenir chez nous. Ne t'affole pas comme ça, voyons, avoue que ça pourrait être pire. Nous sommes pris au piège dans le palais et nous allons être exécutés. Comment est-ce que ça pourrait être pire, dites-moi? Ah, par exemple, le plafond pourrait nous tomber dessus et nous écraser comme de la pizza. Tu ne peux pas éviter de parler. Le plafond descend lentement. Ou la pièce pourrait se remplir d'eau jusqu'à ce qu'on soit noyé comme des rats. Il ne faut pas rester là. Oh mon Dieu. Je ne vois vraiment pas comment les choses pourraient être pires. Mario, je t'en supplie, ne dis plus un seul mot. Cette fois, j'ai l'impression que c'est fini. Quel dommage que Mervin ne soit pas là. Les magiciens ne traînent jamais dans le quartier quand on a besoin d'eux. Oh Mervin, mais où étais-tu passé? Excusez-moi, j'ai dû aller m'acheter des piles pour ma baguette magique. Il y avait une queue à la caisse, c'était invraisemblable. Merci, ça on connaît. Sortez-nous d'ici avant qu'on soit transformé en macaroni dégénéré. Pouf! Ouf, on a eu de la chance. Je ne pensais pas que je reverrais un jour les sous-bois noirs de ma jeunesse. Est-ce que quelqu'un sait où nous sommes? Vous êtes dans la forêt de la nuit éternelle et des dangers monstrueux. Oh, mais regardez donc ça. Il y a une main qui sort de l'eau et qui tient un drôle d'outil. Attention, ce n'est pas un outil ordinaire, on l'appelle Excalibur, l'outil le plus puissant de tout le royaume. Regardez, il devient Super Mario Mario. Mario, Excalibur t'a permis de devenir le chevalier le plus puissant de Kramalot. Il faut que tu affrontes le roi Koopa et que tu ailles le chasser de ce royaume. Pas de problème, avec cet Excalibur, je vais définitivement éliminer le roi. Attention, c'est le château de Kramalot. Comment on peut entrer à l'intérieur? Luigi! Tu vas traverser les douves et baisser le pont-levis. Moi? Mais pourquoi moi? Mais je ne peux pas traverser le pont-levis. Et j'attends un bébé. Alors, je pourrais toujours essayer. Attention, terrible poisson tueur! C'est le plus grand jour de toute ma carrière de Koopa! Je suis enfin devenu roi, le souverain suprême de Kramalot! Tu n'es pas roi! Tu n'y as rien du tout à part un voleur! Créneau d'un crocodile! C'est cet imbécile de plombier macaroni! Et les assistants plombiers! Eh ben c'est nous, Koopa! Et je vais t'apprendre à vivre! Ferme-moi! C'est ce que nous allons voir! Emparez-vous d'eux! Et j'ai voté!
regretter d'être venu. Quand nous les plombiers, on a des problèmes, on jette à l'eau. J'ai plus facile à lire qu'à faire, mangeur de macaroni. On ne m'échappe pas aussi facilement, et je vais te le prouver tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a des étals qui est vert et couvert de sauce à la menthe? Je ne sais pas, c'est quoi? Un coupa qui est tombé au milieu des spaghettis! Arrête de discuter bêtement et bats-toi, allez! Tu es certainement le lézard le plus laid et le plus sournois qui rampe sur le royaume de Cramalotte! La flatterie ne pourra pas te sauver! C'est donc déjà ça, coupable. Je pense à spaghetti dégénéré. Merci, ce petit gueule avec coupable a mis très en appétit. Hop là. Et voilà, je crois que cette fois, on va enfin finir une bonne fois pour toutes. Quelle honte! Vous m'avez encore empêché de parvenir à mes fins, mais je me vengerai! À mon avis, il faut pas trop rêver. J'en connais qui le regretteront amèrement. Je reviendrai un jour ou l'autre, et alors là, vous me le paierez! Il s'enfuit dans une zone ténébreuse! Misérable minestrone, Koopa s'est enfui une fois de plus. Mais oui, mais Cramalotte est sauvée. Mario, grâce à toi et à tes amis, Koopa a été chassé de ce royaume. Oh, ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose? Mais c'est absolument fantastique. Et le peuple de Cramalotte veut que tu restes ici en tant que souverain. Moi? Mais j'ai toujours voulu être roi. Alors j'accepte. Je te couronne Mario le Royal. Oh, merci, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil à faire de la gymnastique. Celui qui devient roi de Cramalotte doit être aussi mince qu'une allumette. C'est terminé, les pattes pour toi. Ah, mais la réflexion, mon cher Mervin, je ne crois pas avoir l'étoffe d'un roi. Merci. Arrivederci, roi Mervin. Et vous, éveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Alors ce jour-là, nous sommes arrivés dans un désert torride et sec, à dos de chameau. Nous étions à la recherche de la légendaire lampe d'Aladin. La princesse en avait besoin pour libérer son peuple de l'emprise diabolique de Koopa. Excusez-moi, chamelier, mais on n'aurait pas pu louer un chameau avec l'air conditionné à bord? De l'eau, de l'eau. Oh, je suis prêt à boire de la sauce à la menthe. Oh, une chute d'eau! Ah, que ça fait du bien, une bonne douche! T'as pas honte? Mario, c'est un mirage. Le soleil t'a fait bouillir la cafetière. À
Allons, contrôlez-vous un peu, mes amis. Ne faites pas attention à ces mirages, sinon nous ne trouverons jamais cette lampe. C'est dommage qu'il faille pas faire attention à cette piscine. Une piscine? Ici? Waouh! Le dernier halo est un champignon vénéneux. Oh, 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 c'est un piège! Oh, c'est un trampoline! Oh non! Mais c'est un palais! Avec un toit bizarre! J'ai l'impression que des visiteurs ont fait un saut chez moi. Oh! Parfait! Une fois encore, le coup de la fausse piscine a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais mon Dieu, mais qui êtes-vous? Je suis le sultan Peshmerga le Magnifique. Et vous êtes dans mon fabuleux palais où vous allez rester tous autant que vous êtes, car vous allez devenir mes esclaves. Mais voilà une offre très généreuse, Peshmerga, mais sans façon... Garde, jetez-les dans le quartier des esclaves, mais ramenez-moi la petite mignonne. Il doit parler d'elle. Ces fabuleux bijoux sont à vous si vous rejoignez mon harem. Comment? Moi dans un harem? Mais vous êtes fou ou quoi? Les harems n'existent plus à notre époque. Là, manifestement, vous n'êtes pas au courant. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Non mais dites donc, ça va pas vous, j'ai compris, hein, inutile de me faire un dessin. Regardez-moi tous ces trésors. Des diamants, de l'or, des rubis. Mais il y en a certainement pour une petite fortune. Pour une fois, on a de la chance. Mais c'est la lampe d'Aladin. Quand le garde sera endormi, nous utiliserons la lampe pour aller au secours de la princesse. Ah, c'est épais. Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette fameuse lampe? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait apparaître un lapin, c'est ça? Oh, tais-toi, mais réveille-toi! Tu ne connais pas la légende d'Aladin? Il y a un génie qui a tous les pouvoirs à l'intérieur, et il... Arrête, tais-toi, s'il te plaît! Quelqu'un vient par ici. Arrête. La princesse est insupportable! Elle refuse de porter le voile du harem et de mettre ses patins roulettes! Aucune importance. De toute façon, j'en ai assez. J'ai déjà passé une annonce dans le harem d'un soir. Je la vends au plus offrant. Vous allez vendre la princesse? Ah, vite, vite, il faut trouver un endroit sûr pour cette lampe. Mario, n'essaie pas de me ridiculiser. Comment veux-tu qu'un génie soit dans cette lampe? Eh bien, tu vas voir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de frotter. Vous en avez un toupet? Mais pourquoi est-ce que vous venez m'ennuyer? J'espère que c'est très important. Vous avez des pouvoirs magiques? Je veux dire, vraiment magiques? Vous êtes un génie? Oh, gros bêta! Mais qu'est-ce que je peux être d'autre? Je suis coincé dans cette vieille lampe. Tiens. On dirait que tu as frotté dans le mauvais sens. Oh, c'est malin. Cette lampe grotesque est fixée à mon pied. J'espère que vous êtes satisfait. Oh, je voulais pas vous déranger, madame. Mais nous, on a besoin de vos pouvoirs pour... Oh, je sens quelque chose de moisi ici. J'espère que vous avez vraiment des pouvoirs magiques. Parce qu'il y a un malade qui veut acheter notre princesse. Et ce malade n'est autre que le roi Koopa. Oh, 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 oh. Je vous donne 3 jardes d'âne séchée pour elle, et c'est ma dernière offre. Je ne la céderai que pour 54 jarres de foie de volaille. Oh, puissante génie de la lampe, plus belle qu'une platée de lasagne, plus désirable qu'un poivron, je vous supplie humblement de sauver la princesse. Ça va, ça suffit, je vais voir ce que je peux faire. Je vais jeter un sort, une seconde. Ah, tant pis. Mais qu'est-ce que c'est que cette vilaine odeur? Oh, pourtant, je suis habitué, moi. Tout
Tout le monde peut se tromper. Et puis d'ailleurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oh non, Koopa s'est enfui. Au secours, au secours. Vous êtes à moi, princesse. Oh non. Préparez-vous à un voyage interminable et particulièrement pénible. Mais vous êtes fou! Où est-ce que vous m'emmenez? Loin, très loin d'ici, là où vos amis ne pourront jamais vous retrouver. Oh, là, on a besoin de vous. Vous pouvez me faire voler? Voler? Vous croyez que c'est une façon de voyager? Pas de problème, hein. On a traversé le désert, on a bien mérité de voyager un petit peu assis. Oh, j'ai une idée. Vous nous faites voler et je vous fais cadeau d'une pièce d'or. Hein. Voilà qui est plus raisonnable. Guili, guila, guilou, guilé, fais-les voler. Et maintenant, la pièce. Ah ah. Et comment est-ce que j'ai pu faire ça? Oh, j'ai une idée. Il y a peut-être un tapis volant d'occasion qui est valable. On peut pas dire qu'on voyage en première classe. J'ai l'impression que c'est le tapis de Koopa là-bas. Ah, c'est vrai. Allez, en avant, accrochez-vous tous. Oh, attention. Où est-ce que vous avez appris à conduire? J'ai mis mon... Mais vous ne pourrez pas leur échapper. Vous vous trompez. Mon plan diabolique se réalise à la lettre même. Nous allons bientôt survoler des sables mouvants bien désagréables. Et comme par hasard, c'est là que nous nous dirons adieu. Pas si vite. Pas si brusque. Non, pas si... Je ne sais pas ce qui est le pire, être devant ou être derrière, je sens que je vais craquer. Ça y est, nous voilà, là dans les nuages, on va s'approcher de lui. Oui, mais si Koopa nous aperçoit, nous sommes perdus. Il ne nous verra pas, j'ai un plan anti-Koopa. Allez, 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 on secoue un peu le tapis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Achoup! Rien, ce n'est que moi. Achoup! Oh, j'ai l'impression que l'altitude ne me réussit pas trop. Je sens que je vais attraper froid. Si c'est l'altitude qui pose un problème, je peux arranger ça et très vite. C'est là que nous nous séparons, princesse. C'est très, très émouvant. Elle ne pourra plus sauver son royaume. Et maintenant, il est temps de s'occuper de ses plans vieux. Koopa, où est la princesse? Elle fait des châteaux de sable. On va vous sauver! Oh non, sûrement pas. Allô? Les pigeonnets boum boum? Ici le roi Koopa. Envoyez-moi une douzaine et vite! Ah, qu'est-ce que c'est bien un téléphone moquette? Ah!
secours! Au secours! Allez! Pas si vite! Pas si vite! On arrive, princesse! Surtout, fermez bien la bouche! Mes amis, j'ai bien cru que c'était la fin pour moi. Pipicou, pipicou, pipicou. Attention là. Pipicou, 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 pipicou. Oh pipicou. Cette fois, ça suffit. Je préfère descendre ici. Ah, c'est inutile. Ils adorent les tapis. Attends, j'ai une idée. Je vais essayer de leur parler. Pipicou, pipicou, pipicou. Ah, pipicou, pipicou. Pipicou, pipicou. Pipicou, pipicou. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que s'il voulait vraiment un tapis succulent, il devait aller voir chez Koopa. Arrêtez! Arrêtez, mais vous êtes fous, quoi! Pas de potiron, mon garçon! Pipi-coupa! Vous me le paierez, sale plombier, ça je vous le jure! Un coupa n'oublie jamais! Attention! Je te préviens que tu vas regretter d'être venu au monde, misérable reptile! Ah, je crois qu'ils vont faire un beau couple. Et maintenant, princesse? Si on vendait des tapis. Et vous, éveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Croyez-moi, Reine Rotunda, c'est le meilleur filtre d'amour que j'ai mis au point. Tu peux me garantir qu'il rendra le prince Pompadour fou amoureux de moi quand il me verra. Une goutte de mon filtre d'amour, votre énormité. Et il sera foudroyé par un amour méprisable. Il faut simplement tout faire pour que vous soyez la première personne qu'il aperçoive après avoir bu ce filtre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bah, c'est mon détecteur de poivrons et j'ai l'impression qu'il va exploser. Des poivrons, droit devant! Oh, Mario, vite, fais quelque chose! Ah, merci, mon grand... Crénon d'un ravioli! Mario, rappelle-moi une fois de plus comment un plombier comprend qu'il va avoir des problèmes. Ah ben c'est très facile, c'est quand il a l'impression que tous ses espoirs vont à l'eau. Halte, paysan! Ce sont les poivrons royaux de Sa Majesté Rotunda que vous osez honteusement voler. Mais non, nous ne les volons pas. Ce sont des poivrons sauvages. Tout ce qui est sur Rotunda appartient à la reine. Par conséquent, vous êtes forcément des voleurs. Pas de problème, nous les rendons tout de suite. Oui, reprenez-les. C'est trop tard. La reine Rotunda cherchait quelqu'un pour le jeter dans un cachot. Dans un cachot? Et jusqu'à la fin de votre vie, et encore si elle est de bonne humeur. Moi, je ne reste pas par ici. Ben, par devant, je te suis.
Allez, au revoir et bonjour chez vous. Vous allez être présenté à Sa Majesté Rotunda. Ah, c'est vraiment parce que vous assistez. Grâce au filtre d'amour, je serai la plus belle mariée que le royaume de Rotunda aura eu la chance d'admirer. Les prisonniers sont à votre disposition dans la salle du trône, votre grosseur. Des prisonniers? Oh, chouetti chouetta! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été pris en flagrant délit de vol de poivrons royaux. Quoi? Ils volaient des poivrons royaux? Et chez moi? Il n'y a pas de crime plus effroyable. Tenez votre boudinerie, emportez ce flacon de filtre d'amour au cas où vous croiseriez l'élu de votre cœur, le prince Pompadour. Merci, Ildi. Et maintenant, allons voir à quoi ressemblent ces misérables voleurs de poivrons. Tu crois que c'est pour notre dernier repas? Pauvre niais, vous n'avez pas droit à un dernier repas. Et tu oses dire que tu es le chef royal? Je n'arriverai donc jamais à trouver le dessert parfait pour mon mariage avec le prince Pompadour. Et n'oubliez pas les prisonniers, votre protubérance. Oh, oui. Enlevez-moi ces têtes et tout de suite. Excusez-moi, votre majesté. Pourquoi cet homme a-t-il toujours sa tête à la bonne place? Mais attendez, à l'intérieur de cette tête, il y a la solution à votre problème. Allons, allons, ne perdons pas de temps avec ce petit ventre. Une glace à la pistache et au poivron. Une glace à la pistache et au poivron? Je n'en ai encore jamais goûté. Mais c'est absolument parfait comme dessert, et c'est exactement ce que vous cherchiez. Moi, c'est ce que je préfère. Je t'ordonne de m'en faire tout de suite. Et après ça, hop, et adieu la tête, c'est clair? Elle me paraît terriblement appétissante, cette petite glace. Je vais en goûter une petite lichette juste pour vérifier. De l'eau! Vite! De l'eau! Buvez ça, Majesté. Alors, elle vous plaît, ma glace à la pistache au poivron? Mais ça n'intéresse personne. Glace-moi ce que j'ai. C'est toi et rien d'autre, mon petit ravioli. Non, mais attention, s'il vous plaît, attention. Vous allez défriser ma moustache. Mais ce n'était pas de l'eau. C'était un filtre d'amour. Viens par là, lumière de ma vie. Je t'aime, je t'adore et je te vénère. Ah ben, si c'est vraiment à ce point-là, alors, il faut me libérer avec mes habits tout de suite. Jamais! Garde! Vous me jetterez ces trois-là au fond d'un cachot. Cet adorable prince charmant va devenir mon mari. Non, mon petit poids d'amour. J'entends les cloches sonner à toute volée dans la tour. Ah, je sais pas si c'est si bon signe que ça. À mon avis, il faudrait vous faire soigner le plus vite possible. Ne perdons pas de temps bêtement, mon Mielinou. Il est temps que nous allions nous marier. Secours! Ma vie est terminée. Je suis prisonnier de l'amour.
voilà les invitations les plus délicieuses que j'ai eu l'occasion d'envoyer. De la colle à la crème fraîche. Miam, 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 miam. De la colle aux fruits de la passion. Oh, ça, c'est miam, 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 miam. Qui a mis des épinards dans cette colle? Je vais m'en occuper. Oh, oh, mon adorable guimauve d'amour. N'oublie pas ton régime. Il faut que tu sois mince et svelte pour notre mariage. Ah oui, ouais. Nous sommes dans les spaghettis jusqu'à la sauce tomate. Allons, allons, il ne faut pas se décourager. Elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas la bague au doigt. Et nous allons faire en sorte que ça n'arrive pas. Nous filons d'ici. Bah... Garde! Garde! Mes amis ont réussi à s'échapper! Oh, quelle horreur! Mais où sont-ils? Vite! Et voilà, il nous portera pas dans son cœur, celui-là! Vite! Il faut absolument sauver Mario avant qu'il soit étouffé par l'affection de la reine! Oh. Je t'aime tellement que j'en ai mal partout. Oh ma chance. Si ça peut vous remonter le moral, je vous assure que ça me fait beaucoup plus mal. On va se reprendre une petite glace à la pistache et au poivron tout en parlant de notre bel avenir. On dirait raisonnable. Non, pas toi. Pas toi, mon petit canard d'amour. Tu sais que tu es toujours au régime. Oh, s'il vous plaît. Rien qu'un tout petit peu. Bien, juste une bouchée alors. Mais c'est bien parce que je t'aime à la folie. Votre rondeur, les prisonniers ont réussi à s'évader. Quoi? Mais comment vous pouvez être aussi stupide? Retrouvez-moi ces voleurs. Si jamais ils viennent perturber mon mariage, ta tête finira dans une boîte de conserve. Oui, votre boudinerie royale, oui. Personne ne va me passer la corde au cou comme ça, hein. Je pars d'ici tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Allô, ça fait des ordres, ça. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Tu risques d'avoir de gros ennuis si tu ne te dépêches pas de venir me faire un gros bisou, mon gâteau de riz d'amour. Luigi! Tonde, princesse, faites quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut retrouver les prisonniers. La cérémonie de mariage doit commencer dans 2 heures. Allons-y. Pauvre Mario, on ne peut pas le laisser dépérir comme ça. Venez, j'ai une idée qui devrait marcher. Explique-nous ton plan. Il faut s'arranger pour que la reine tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Il faut donc préparer un autre philtre d'amour pour la reine. Exactement. Alors, vite, au travail. Allez, on se dépêche. Non. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie de reine. Et ce sera le plus beau jour de mon adorable soufflé au fromage. Une pincée de champignons. Un nuage de cœur d'artichaut et pas de potiron, mon garçon. Il aurait fallu mettre un petit peu de pastèque, c'eût été beaucoup moins sec. Oyez, que le mariage royal commence. On est prêt à 5 minutes, voyons. Dépêchons, la cérémonie va commencer, enfin vous avez entendu. Je crois que le philtre d'amour est enfin prêt à montrer son efficacité, et ça rime. Cupidon, à toi de jouer, mon garçon. Oh, ça, alors, ça, je serai difficile à le jouer. Une petite seconde, s'il vous plaît. Mon lacet est défait. Bien vu, Luigi. Je veux lever mon verre à une personne qui m'est chère. Oui, oui, bravo, bravo, oui. À la reine Rotunda et à son gros, son énorme, son gigantesque cœur. Et au prince Pompadour, son vrai, son seul, son unique ami. À moi. Rotunda, tu es la plus belle créature de tout ton royaume.
Marionnou. Oh, mais bien sûr, prince Pompadour, bien sûr, mon omelette au jambon d'amour. Un nom d'un potiron, tout s'arrange, mon garçon. Et moi, je lève mon verre en l'honneur de la reine Rotunda qui n'épouse pas cet idiot de plombier. Non, 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 c'est sans façon, hein. Non. Ah non. Oh, mon petit monstre d'amour, tu ne sais donc pas que je te cherche depuis toujours. Moi, je proposerais de rentrer chez nous. Et... Oh. Et vous, éveillez-vous, c'est l'heure du fabuleux Super Mario Bros. Connais-tu les deux frères plombiers, héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ça, c'est une bonne chose, parce que je commence à craquer. Attention. Allez, je suis dernière. Oui. Allez, hop là. Et le dernier à la fontaine de jouant, c'est une pomme bonne pour la poubelle. Ce sera pour moi le dernier. La fontaine de jouvence. Pour la poubelle? Ah non, mais s'il y a des pommes, moi, je veux bien les manger, moi. Oh, une petite lampe de cette fontaine et nous retrouverons nous 18 ans. Tralala. Je vais prendre une gougoute. Vous retrouverez vos 18 mois, oui, quand j'aurai mis la pleine puissance sur la fontaine. Et vous travaillerez pour moi. Appelez-moi Majesté Koopa, sinon je sens que je vais me fâcher. Ah, misérable, mais arrêtez-moi ces vermines. Nom d'une escalope bolognaise. L'infâme Koopa a capturé ses pauvres enfants. Oh, ben ça... Ce ne sont pas des enfants, ce sont des vieux qui sont retombés en enfance. C'est pas pareil. Et maintenant, vous allez travailler comme des forcenés pendant que moi, je m'amuserai comme un enfant. Je veux descendre. Alors, c'était ça, son plan machiavélique. C'est un monstre qu'il faudrait pouvoir éliminer définitivement. C'est vraiment monstrueux. Mais il faut absolument arriver à les libérer, voyons. Oh,
Ce sont les frères Mario, ce champignon de malheur et cette petite peste de princesse. J'ai pas de malheur. Allez, allez, allez. Oh, inutile de traîner par ici, dépêchons-nous, vite. Ah, oh non, au secours. Au secours. Oh, oh, attends, oh, attends, oh, attends, oh, oh, oh. Ah, ben. Oh là là. Oh, oh, princesse, ben là, je vous en supplie, parlez-moi. Oh, ben, j'aime bien la nounou. Je vous ai amené exactement là où je le voulais, petite peste. Il faut apprendre à respecter les adultes. Vite, dépêchez-vous. À l'attaque. Attention, SSP. Ce n'est peut-être pas exactement le moment d'admirer les oiseaux et le paysage. Utilisez les boum-boum ou je vous fais empailler. Oh, maintenant, attention. Prénom d'une pizza napolitaine. Fais attention, ce n'est pas un sac de tomates. Enfin, n'oublie pas, fais attention. Encore sauter, encore. Arrêtez tout de suite ou je me fâche pour de bon. Je savais bien que je n'aimais pas les jeunes. Dans le filet tout de suite, mes pauvres corbeaux dégénérés. Mais pas moi. Pour moi dans le filet. Eh ben vite, il faut lui échapper, voyons. Ben je fais ce que je veux. Oh 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 oh. En attendant, on a une bébé princesse dont il faut s'occuper, et ça, ça va pas être facile. Je m'y connais plutôt bien en petit chou de Bruxelles, en petit tortellini, mais je n'y connais rien en princesse aussi petite soit-elle. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à savoir si à la fin on lui donnera à manger tout simplement. Si jamais elle est sale, et ben pas le problème, on la lavera tout simplement. Et si jamais elle se perdait? Ah. Oh, bah si... Ah, c'est alors, perdu. Oh, oh là là. Oh là là. Non, je m'en occupe. Tiens, ma petite princesse, tonton Mario a une belle surprise pour toi. Mais ce n'est pas celle-là. Oh, oh là 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 là. Oh, oh, bah, oh. Mario. Mais qu'est-ce que tu fais en bas? La princesse est en haut, elle est partie en haut, voyons. Oh, ah non, bah non, plus maintenant, elle redescend. Oh, créneau là-bas, Caroline. La princesse est mal partie. Sauter, encore sauter. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai l'impression que c'est le moment de montrer que les plombiers savent improviser. Plus rapide que l'étoile filante, plus puissant qu'une anguille électrique. Attention, princesse, j'arrive. Pas de petit haut, mon garçon. Oui, oui. En plein dedans, mon lieutenant. Mais arrêtez, princesse, je suis... Chatouille. Je suis chatouille. Il est pour me faire ça. Oh, tonton Mario, il joue avec des petits pâtés. Moi aussi, je veux faire des pâtés. Je t'aime bien, tonton Mario. T'es drôle. Ce n'est pas si facile que ça de garder des enfants. Mais il faut qu'ils comprennent qui commande et qui et pourquoi. On va prendre un petit bain et après on ira faire un bon gros doudou les précieuses. Oh non, pas dodo. What? Il faut rester bien gentiment sans bouger, votre toute petite est.
Gigi. Au secours, Mario. Luigi. Crénom d'un ravioli farci, Mario, regarde. Oh, coucou, le petit poisson. Regardez, le bébé princesse est emporté par le courant. Pas pour très longtemps, pas moi. Ramé. Tonton Mario, regarde les poissons jolis. Dépêche-toi, Mario, mais dépêche-toi, ils vont la dévorer toute crue. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi fatigant de garder un enfant. Oui, on se reposera si on arrive à la convaincre de dormir. Non. Fais dodo, ma petite princesse. Fais dodo, t'auras du gâteau et une pizza. Et si ta pizza ne calme pas ta faim, Luigi va t'offrir un bon gros beefsteak. Chut. Par pitié, arrêtez de pleurer, princesse. Petite princesse, j'ai quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir. Oh, c'est joli, joli. Ça devrait vous faire tenir tranquille. Je commence à en avoir assez, moi. Oh là là, arrête! La princesse n'est pas si insupportable que ça. Tenez, regardez-la. Crayon d'une lasagne verte, qu'elle n'est plus là. Elle a dû avoir envie de se dégourdir les jambes. Elle est partie en direction du château de l'infâme Koopa. Ah, ah. Coucou les petits, bébé t'appelle. Coucou. Oh non, c'est atroce, elle va tomber. Ah, si elle continue à rajeunir, elle va disparaître. Un coup pas enlever la poignée de commande. On ne pourra jamais aider la princesse à retrouver son âge normal. Mais bien sûr que si, il suffit simplement d'inverser le courant de vin. Vous n'arriverez jamais à rien, vermine. Pas de brisé, pas de feuilleté et pas de tachou. Donne-nous le pouvoir, super pâte et pas de petit rond. Un coup de chance que nous ayons utilisé ce tuyau, n'est-ce pas, Luigi? Je vais vous apprendre, moi! Ah, mais je vous jure que je me vengerai quand je serai grand. Ah oui, quand je serai devenu grand, je me vengerai. Ah, mais là, maman et maman, c'est tout petit. Ça devrait aller, ça. L'eau coule dans l'autre sens, l'eau coule dans l'autre. Ah, absolument, mais c'est la fontaine de la vieillesse, il n'y a pas à dire. C'est un travail de génie. Oh mon Dieu, j'avais oublié que c'était si difficile d'être un enfant. On peut rester debout jusqu'à 10 heures. Ah, youpi. Si vous arrêtiez un peu de jouer au plombier, vous avez une carrière toute trouvée dans un jardin d'enfants. Oh, princesse, ce que je veux faire maintenant, c'est engloutir une énorme plate. Oh là là.